Allez, c'est parti pour l'échauffement. On se met en place, on descend position départ sprint, la jambe loin derrière, et je remonte genou en direction de la poitrine. C'est parti pour 30 secondes. Secondes. Allez, on enchaîne derrière sur les squats dans 3, 2, 1. Et c'est parti, squat. Je descends, j'inspire, je remonte, je souffle sur 30 secondes. Vas-y, d'avoir un rythme constant, le regard est fixe, à l'aplomb, la ceinture abdominale est engagée, le nombril est plaqué contre la colonne vertébrale. Et encore 10 secondes. On enchaîne derrière sur les talons fesses dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, le regard est loin devant, les abdominaux sont rentrés. On garde le rythme, on accélère petit à petit pour faire monter le rythme cardiaque sur 30 secondes. Yes, yes, yes. 10 secondes. Et on est parti sur les pales derniers, dernier mouvement de l'échauffement. On active les bras, un pied chasse l'autre. C'est parti pour 30 secondes. Et on va accélérer un petit peu. Mmh. 10 secondes. Allez, on lâche pas. 3, 2, 1. Et je relâche. Allez, on prend 30 secondes pour récupérer et on se tient prêt pour le round 1. 20 secondes. 10 secondes, on commence à se mettre en place. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Start. Allez, c'est parti pour le row jack. Un pied chasse l'autre, les mains poussent et tirent. Alors, essayez d'accélérer au maximum, mouvement cardio sur 20 secondes à fond. Récup. Allez, prochain exercice, le burpees. Dans 3, 2, 1. Start. Allez, je descends, main au sol, je jette mes jambes et je reviens debout en sautant le plus rapidement possible sur 20 secondes. Allez, on lâche pas, encore 10 secondes. Allez, on tient bon. 3, 2, 1 et récup. Allez, on enchaîne sur le row jack pour faire monter le rythme cardiaque dans 3, 2, 1. Start. Allez, on accélère à fond, on donne tout ce qu'on a sur 20 secondes, un pied chasse l'autre, je pousse et je tire. 10 secondes. 3, 2, 1, et je relâche. Allez, prochain exercice, pompe sur une jambe. Pour ceux pour qui il y a des difficultés, on fera ça sur les genoux. Donc 2, 1, et start. Allez, je fais ma pompe et je lève ma jambe simultanément. Si on est en difficulté, on se met sur les genoux. Allez, encore 10 secondes. Essayez d'accélérer, je mets un petit peu de rythme. 3, 2, 1, et je relâche. Et on enchaîne sur le cardio avec les row jack. 3, 2, 1, start. Allez, c'est parti, un pied chasse l'autre, je tire, je pousse à fond sur 20 secondes. Allez, 10. Allez, on accélère, on lâche pas. 3, 2, 1, et je relâche. Allez, on va enchaîner sur le squat jack. 3, 2, 1, et start.
je descends squat et je remonte les mains au-dessus de la tête. Allez, j'accélère à fond sur 20 secondes. Allez, on est à la moitié. Je pense à souffler. 3, 2, 1, récup. Et on embraye tout de suite sur le low jack dans 5, 4, 3, 2, 1, et start. Allez, à fond, on fait monter son rythme cardiaque. Sur 20 secondes. Allez, on a la moitié, on n'abandonne pas. On continue à accélérer. 3, 2, 1, et je relâche. Allez, dernier exercice du round, le plank jack, position de gainage. J'ouvre et je ferme les jambes. C'est parti. Allez, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Le plus rapidement possible sur 20 secondes. Les abdominaux sont rentrés, le mobile est plaqué contre la colonne vertébrale. Allez, à fond, on lâche rien. Pour souffler, pour s'hydrater, pour se détendre un petit peu. Et on se tient prêt pour le round de 2. 20 secondes. Allez, 10 secondes, on commence à se mettre en place. C'est parti pour le round de 2. Allez, à fond sur le rejack pendant 20 secondes. Je tire, je pousse et les jambes alternent pied avant, pied arrière. Allez, on essaie d'accélérer. 3, 2, 1, récup. Et on enchaîne derrière sur les burpees. Allez, c'est le mouvement difficile de la séance. Dans 3, 2, 1. Start. Allez, les mains au sol, je jette les jambes, je ramène et je saute. Allez, à fond sur 20 secondes, on donne tout ce qu'on a. 10 secondes, allez, on lâche pas. 3, 2, 1, récup. Et on enchaîne sur le cardio avec le low jack. Dans 5, 4, 3, 2, 1, et start. Allez, à fond sur 20 secondes, je donne tout ce que j'ai. 10 secondes. Alors, on est concentré sur les abdos, on est bien gainé. 3, 2, 1, récup. Et on enchaînera sur les pompes avec le levée de jambes. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, toujours la même chose, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. Allez, pour les autres, on accélère à fond. Pendant 10 secondes. Allez, on fait monter le rythme cardiaque avec le road jack. Dans 3, 2, 1, et start. Allez, j'accélère à fond, le rythme cardiaque va monter. Allez, je tire, je pousse, je tire, je pousse. Encore 10 secondes. On est dynamique sur les jambes. 3, 2, 1, et récup. Allez, on va enchaîner sur les squat jack. 3, 2, 1, et start. Allez, je descends squat, je lève les mains au-dessus de la tête le plus rapidement possible sur 20 secondes. 10 secondes. Allez, on se tient prêt pour le low jack. 2, 1, start. Allez, c'est le dernier passage en low jack de la séance. On donne tout ce qu'on a à fond sur 20 secondes. Et on lâche pas, on est à la moitié.
3, 2, 1, et récule. Allez, dernier exercice du round avec le plank jack. On se tient prêt, on commence à se mettre au sol. C'est parti dans 3, 2, 1, et start. Allez, j'accélère, attention, les abdos sont bien gainés, le nombril est plaqué contre la colonne vertébrale et on accélère. Allez, les 10 dernières secondes du round, on donne tout ce qu'on a. 3, 2, 1, récup. Allez, 30 secondes pour souffler, on pense à boire et on se tient prêt pour le dernier round de la séance. 20 secondes. 10 secondes. C'est parti, road jack, on accélère, sur 20 secondes, on donne tout ce qu'on a. Et on est à la moitié. Et je relâche. Et on enchaîne sur le burpees, dernier passage en burpees de la séance, on donne tout ce qu'on a. Dans 3, 2, 1, et start. Allez, à fond. Allez, jette mes jambes, je ramène et je saute. Allez, encore. Allez, on a la moitié. On ne lâche pas, on accélère si on peut. 5, 4, 3, 2, 1. Récule. Et on active le cardio avec le road jack. Dans 3, 2, 1. Et start. Allez, on donne tout ce qu'on a, on accélère, dynamique sur les jambes, sur la pointe des pieds, je tire, je pousse, je tire, je pousse. 10 secondes. 3, 2, 1, récule. On marche sur les pompes avec levée de jambes. Dans 3, 2, 1, start, c'est parti. Allez, toujours pareil, si on est en difficulté, on se met sur les genoux. Et on accélère, le dynamique, c'est le dernier passage en pompe de la séance. Encore 10 secondes. 3, 2, 1, et récup. Et on repart sur le cardio avec le road jack. Dans 3, 2, 1, et start. Allez, c'est parti, j'accélère, je donne tout ce que j'ai. Allez, le regard est loin devant, je tire, je pousse. Allez, un pied chasse le plus vite possible, on est à la moitié. 3, 2, 1, et je relâche. Alors, enchaîner sur le squat jack. Allez, mouvement cardio et musculaire, dans 2, 1. Et c'est parti, je descends, je monte les jambes au-dessus de la tête. Allez, c'est parti le plus vite possible, on donne tout sur les 20 secondes. 10 secondes. J'essaie d'accélérer, je lâche pas. 3, 2, 1, récule. Allez, dernier passage en road jack de la séance. On donne tout ce qu'on a dans 3, 2, 1. Start. Allez, c'est parti, c'est le dernier, on accélère. Dans 20 secondes. Je tire, je pousse, je tire, je pousse. 10 secondes. 3, 2, 1. Allez, tu... Et on termine la séance sur le plank jack. Dans 3, 2, 1. Start. Allez, ventre rentré, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. À fond sur 20 secondes, allez, on accélère, on lâche pas. On est au bout du round. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1, récup. Allez, on prend 30 secondes pour souffler, pour boire un peu, et on enchaîne derrière sur les abdos.
20 secondes. Allez, on commence à se mettre en place dans 10 secondes. C'est parti. Allez, sur le dos, je vais ramener le genou en direction de l'épaule opposée et mon coude en direction du genou. J'ai toujours les abdominaux rentrés, le nombril plaqué contre la colonne vertébrale. Allez, c'est parti. On lâche pas. 30 secondes. On est déjà à la moitié. On commence à souffler. Plus on souffle, plus le nombril vient se plaquer contre la colonne. Allez, prochaine exploration, le gainage. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Position de planche sur 30 secondes. Je suis le plus droit possible. Cheville, hanche, épaule sont alignées. 10 secondes. Et je pense à souffler. À mesure que je souffle, j'aspire mon ventre, le nombril se plaque au maximum contre ma colonne vertébrale. Encore 10 secondes. Et on reprendra derrière sur le criss-cross. Donc 3. 2, 1, et je bascule sur le dos, genou direction de l'épaule opposée, et le coude vient en direction de mon genou. Le ventre est bien entendu rentré au maximum. Allez, 10 secondes. Et je pense à souffler pendant l'exercice, ça doit commencer à brûler au niveau des obliques. Et encore 10 secondes. Allez, on terminera la séance sur le gainage. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, les 30 dernières secondes de l'entraînement. On lâche pas. On souffle par la bouche. On rentre son ventre. Allez, on est solide, droit. Attention à ne pas lever les fesses ni à les baisser. Allez, on est à la moitié. 10 secondes. Et je relâche. Bravo à tous, la séance est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune séance et à visiter notre site www.holyfit.fr. À très bientôt.